Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadec vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Chernobyl Light, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Hey mon vieux, j'ai besoin que tu fasses un truc pour moi. Je t'écoute. Tu sais que je suis venu ici à Tchernobyl pour trouver quelqu'un. Ton frère, c'est bien ça? Ouais, Rustin. On a grandi ensemble à Moscou, on a dû se démerder pour survivre depuis qu'on est gamin. Non, vous étiez un genre de mafieux? Des voleurs dans la loi, pour être exact, mais t'as pas besoin de savoir. Alors pourquoi Rustin est ici? C'est une longue histoire, mais notre père était flic et comme beaucoup de flics, c'était un putain d'enfoiré. Il passait son temps à picoler et battait notre mère dès qu'il était bourré. J'oubliais jamais la dernière fois quand il essayait de me frapper avec une barre de fer, mais cette fois, il a raté son coup. J'étais plus une petite merde sans défense et Rushen non plus. On a chopé notre vieux et on a traîné derrière notre vieille baraque, puis on l'a balancé dans le puits. C'était tellement un gros bâtard qu'il n'a même pas trouvé le moyen de sortir. Vous avez jeté votre père dans le puits, j'imagine qu'il l'a bien mérité. Moi, c'est quoi mon rôle dans cette histoire? Mon frère a fait un truc qu'il aurait pas dû, et c'est ça. Il est ramené ici pour le planquer dans la zone. Ça fait des mois que je cherche à le retrouver. Mais qu'a-t-il fait pour avoir envie de se cacher dans un endroit pareil? C'est pas important pour l'instant. Bref, j'imagine qu'il s'est fait choper par le Nord. C'est l'hypothèse qui est la plus valable. Je dois le retrouver et lui poser quelques questions. C'est vraiment important pour moi. Je cherche le centre de commandement mobile du Nord. Il se trouve à côté. Il y a un uniforme d'officier là-bas. Tu pourrais t'infiltrer à la centrale avec ça. Et pendant qu'on y est, je veux que tu cherches des infos sur son frère. Sur mon frère. Bien sûr, je pourrais. Je savais que je pouvais compter sur toi, partenaire. On reste en contact, on ne sait pas ce qui peut se passer. Utilise la radio. D'accord. Allez, on y va. Toujours là, mon Wild One? Pourquoi Tarakan est venu te demander ton aide? Il est ici depuis un certain temps. Il connaît sûrement d'autres personnes qui seraient prêtes à faire ça pour lui. Il en sait plus sur toi et moi. Ça me laisse entendre qu'il est dangereux. Tu connais ce jeu? Un jeu de survie dans Tchernobyl. Jour 15. Ah, maintenant tu vas le voir.
chienne, ça, je l'ai dit. Looks like the old loon can handle himself just fine. A trail of dead rats? Des rats. That can't be a coincidence. Rien. J'ai déjà été là. Sors de là. Non, on n'a pas dû y mettre la même mort. J'espère qu'il est toujours en vie. C'est pas des rats, tabarnak, c'est des chats.
J'attends un gars devant moi. Pour Calis. Putain! Putain. Salut Jess, comment ça va? Bib. Il n'y a pas loin ici. That was our friend you killed. You can thank your lucky stars we're in a hurry. Don't rush it. I want to watch him sweat away his last seconds before the bullet. For Misha. Ça va. If I'm going to act, it has to be now. Ça pas mort, sans plusieurs, je veux dire, ouais, c'est sûr. Chris en 4. Ah ouais, pas surpris. Oh, c'est mauvaise idée.
Pas par là. Rendu trop, esti. Cinq tribus contre la nôtre, mais on est trop fort. On est trop fort! Vous êtes tous des caribous. Imaginez si vous avez caribous avec vous autres, ce serait la victoire instantanée. Ça arrivera jamais. Des jeux pas de fin. Des jeux pas de générique. Ah, oh, il est là, lui. La providence divine a guidé ta main. Je suis trop important pour être tué par les psyres du Nord. Il propose une note destinée à ne pas cesser de nous mettre sur le même chemin. Alors, devrais-tu peut-être nous joindre? Tu m'as désobéi et maintenant tu voudrais qu'on s'entraide? Quel rangeur affronté tu n'es, Sorisso? Tu as laissé mes secrets tomber entre les mains du roi des rats. Je n'avais pas le choix, Taraka. Je devais trouver des indices sur la disparition de Taiana. Je devais à tout prix examiner toutes les pistes.
no matter the cost. Je comprends, Sorisso. Tu as un grand cœur qui t'amène parfois à prendre de mauvaises décisions. Mais ce qui est fait est fait. Le roi des rois doit connaître tous les cachets maintenant. Il m'en faut donc une nouvelle. Je me joindrai à toi. Bon, ben j'ai 4 partners. J'en ai perdu un. Il y en a un qui a disparu. Oh, la piste. Qui est là? Et voilà, Caribou, ça va? Allô, ça va, mon cher chum? Oh, oh, t'es qui, toi? Hey, you. Hey, vous. Jesus H. Christ. Bon, ça me fait peur. Never, ever do that again. Ne fais plus jamais ça. In fact, never do that again. Enfin, ne fais jamais ça, tout court. Qu'avez-vous ici, mon cher ami? Eh bien, quelqu'un m'a vendu une combinaison de ce coffre. Mais vous êtes fait avoir, voilà ce qui arrive quand on se laisse envahir par la pâte du gain. Quoi, non, la pâte du gain est bonne chose, c'est ce qui fait tourner le monde. Ce genre de désagrément peut arriver. Ce sont les risques du métier. Quel dommage, j'ai payé cette combinaison à prix fort. J'arriverai peut-être à l'ouvrir. Le coffre avec un crochet. Alors, vous avez une idée de ce qu'il y a à l'intérieur? Un objet de grande valeur, sans aucun doute. Je ne vois pas pourquoi il l'aurait placé dans un coffre. Et de qui parlez-vous? Des relations très influentes et haut placées. Vraiment, comme qui, par exemple? Je ne peux rien vous dire. Et si je le faisais, serait alors contraint de vous réduire en silence. Je plaisante. J'espère bien, oui. Eh merde, j'aurais dû apporter un pied de biche. Non, mieux, un bat en dynamite. La dynamite aurait largement fait l'affaire. On dirait que vous êtes dans une impasse. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je peux pas l'ouvrir. Mais peut-être quelqu'un d'autre serait capable. Peut-être, mais il m'a l'air assez vieux. Il doit être rouillé à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Ce qui empêche d'ouvrir, c'est possible. Fais chier, c'est fini, j'abandonne. Vous allez vraiment abandonner? Eh bien, ce n'est pas comme si je pouvais contacter un serrurier ici. Pas vrai, j'ai perdu suffisamment de temps avec ça. Si vous voulez tenter votre chance pour l'ouvrir, alors allez-y. C'est complètement stocké. Un crochet classique ne ferait pas l'affaire. Bon.
Sors de là. Bon, il reste une dernière petite... Une vérification secondaire. Oh, il y a du stuff, ça. Putain, ouais! Cours, 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 c'est une mauvaise idée. S'il apparaît puis il décalisse trop vite. This is not going to end well for you. Let's see what you're made of. Calisse. Pareil, puis il disparaît en deux secondes, tabarnak. Va chier, va chier! Tabarnak, ça veut dire quoi? Comme putain, mais plus compliqué. Je l'entends, il est ici.
Je peux pas me faire tuer ici. Ouais, descend. Stay in the shadows. Pourquoi ça marche plus, Justy? Si tu l'as pas dans les mains, tabarnak. Become invisible. None of you are safe. J'ai lu ça. Bon, on va aller se rassasier. Mais là, c'était l'enfer. J'ai quelques questions pour toi. Est-il capital que tu répondes le mieux possible? Je vais essayer, Cerisa. Sois-en sûr. Tout d'abord, comment as-tu eu la boîte de musique? Elle est venue à moi, la femme en rouge. Elle est venue à toi? Où ça? Quand? Dans mes rêves, ça fait des années qu'elle est entre mes nuits. Elle a dit où de la trouver, la boîte de musique. Elle a également parlé de toi.
She mentioned you too. What did she say? Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Elle a suggéré que tu pouvais être un instrument capital dans la lutte contre le roi des rats. Elle voulait également que tu vois la boîte à musique pour te convaincre que tout ceci était bien réel. Je n'arrête pas de la voir, moi aussi. Au début, je croyais que c'était une imagination, mais... Non, je t'interdis de dire ça. Elle a tout ce qu'il y a de plus réel, n'en doute pas une seule seconde. Pourquoi le Nord a-t-il essayé de te tuer? N'est-ce pas évident? Rien n'est évident pour moi en ce moment. Je suis la seule personne à m'interroger entre l'humanité et le roi des rats. Les spires essaient de me tuer à la moindre occasion. Et si tu tombais le masque ce petit instant, qui es-tu réellement? Quel masque? Ne me dis rien de plus réel que ça, Tarakan, et encore plus réel que tu l'es. Ton nom est-il significatif particulier? Tanaka signifie cafard. Et ce que je suis, être un humble qui a pu renaître de ses cendres de la destruction de Tchernobyl, plutôt être plutôt petit, mais résistant. Avant, j'étais comme toi, sourisseau, mais la providence divine a fait appel à moi pour affronter le roi des rats. C'est ainsi que Tarakan est né. Où est passée Olga? Elle devait être rentrée. Fais chier. Calisse, là, je n'ai-tu perdu un nom? J'ai vérifié les environs pour toi et tué quelques-uns des horaires ambulants. Maintenant, c'est à ton tour de finir ce que j'ai commencé. Eh ouais, j'ai trouvé quelques cristaux. L'argent de médicaments dans le centre de Praia. Chris, j'ai perdu deux gars, là. Si j'ai voulu en avoir cinq, je n'ai plus. Oh, le gars n'est pas revenu. Perdu. Bon. Olga! Olga, tu m'entends? Le Nord l'aurait capturée, au pire, mon Dieu, j'espère qu'elle va bien. Comment je peux oser savoir, moi, quoi, ce que je fais? Ça va, professeur Grosse Tête? Mikhail, c'est quoi cette cacophonie infernale qui bug de notre radio? Ouais, t'es clairement pas un cobne, mais je vais t'apprendre, c'est ça la musique de la zone. Ce que je comprends pas, c'est que tu es né ici, alors comment ça se fait que tu connais pas? Mais n'oublie pas que tu passes de nombreuses années au Royaume-Uni, ce putain de James Bond, ça te parle? Ah ouais, c'est vrai, t'as clairement loupé les événements décisifs de l'histoire, comme la chute de l'Union soviétique, de Push de la Nive, et le Hard Bass. Le Hard Bass, c'est plutôt l'air sinistre. On n'est pas un grand fanat de la musique, j'adore la musique. Écoute, Tatiana jouait du violon, et même l'un de mes souvenirs favoris. Sibelius, Rachmaninoff, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich. Vivaldi! Un bordel de merde, t'as quel âge? 100 ans? Pas exactement, même si j'en ai parfois l'impression. On devrait remédier à l'hélico presto. Tu vas me faire plaisir d'écouter Sex et Hard Bass. T'inquiète, après ça, tu verras plus jamais la musique d'une autre façon. Ça ne va pas, aucun doute. Salut Easy Style, salut Gosplex.
Là, je me suis trompé ou quoi? Non? Christ, des plaques de cire. Ah, tabarnak. Fuck. Gaspillage. The fuck you want? Hey there, old timer. What's cooking? Nothing much. Ain't radiation. About previous explosives. Swap even all push right and it the but if they do. Hey, Sasuke. About what? I can show you. Actually. What is it? More rat stories or history? Il y a encore une histoire de rat ou bien une leçon d'histoire? La mise en garde de Sasha Russo arrive toujours à trouver un bon morceau de fromage s'il est malin. Mais il doit veiller à ce que le fromage ne soit pas empoisonné ou à la tire dans un piège, on ne saurait jamais de quoi on peut tomber. Mais qu'est-ce que tu racontes? 1957. Les rats me faisant essayer de semer les années en mettant leur affreux museau là où il ne fallait pas. Là, je me rappelle avoir quelque chose là-dessus. C'était une explosion chimique, non? Et donc, quantité de césium et de strontium avaient été relâchés dans l'atmosphère. Ça n'était pas censé être classé secret. Alors que tu n'as fait que lire à propos de ce qui est passé, ma mère a dû vivre. La rivière Tchatcha est si calme, cette belle à cette époque de l'année jusqu'au fameux boom. Elle n'a jamais. Elle n'est aujourd'hui que poison. Oui, une erreur parmi les tant d'autres. Non, 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 Cerisso, tu te rappelles l'erreur? J'appelle ça un planifié du roi des rats. Il a appâté les stupides petits souris avec un morceau de fromage blanc, quelque fort appétissant. Mais ce fromage était empoisonné. Et ces morceaux de fromage que tu convois pourraient bien être également, même s'ils semblent savoureux. Alors, sois très prudent, Cerisso. Chaque fois que tu sortiras que cette chose trame dans l'ombre, tu peux être sûr que le roi des rats y sera pour quelque chose. Je m'en souviendrai, merci. Hey there, Tarakan. But of course I can.
Fantastic. I'm ready to learn. Ah ouais, bon, moi ça. This is a big day for you, c'est un grand jour pour toi, Cerisso, parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas être le rat et le chat. Grâce à l'amélioration du bidieu que tu t'appelles PDA, tu peux désormais détecter ces fichus soldats. Les hommes, mais également toutes les créatures vivantes. J'ai aussi remplacé la batterie standard par une autre plus avancée. Tu vas pouvoir faire plus de scans que d'habitude en ce pendant un moment. Mais pense bien à jeter après l'utilisation, sinon il va exploser en main. Que tu sois en pleine chasse ou que tu cherches juste à éviter les dangers, je te garantis que ça va bien fonctionner maintenant. Alors mettre à jour ce petit pratique. Je vais aller me cacher. J'espère que tu as bien compris. Tu es un sourisso d'une grande intelligence. Ferme les yeux et quand je casse, interdiction de jeter des coups d'œil. Très bien, Cerisso. Tu vois à quel point cela peut être utile. Souviens-toi, c'est chasse. Ou être chassé. Telle est la loi de la nature. Nouvel avantage. Sans faire des bases par ici. Things, Professor. Deuxième simulation. Yes, comrade. We think that oui, camarade, nous pensons que le sujet pourrait être la clé. Patient zéro. Oui. She was pregnant.
Elle était enceinte depuis quelques semaines seulement. Oui, ça fait également une surprise pour nous. Non, elle ne nous dira pas qui est le père selon les renseignements de nos amis du KGB. Nous avons deux candidats potentiels. Malheureusement, l'un des deux est déjà mort. Absolument, camarade. Nous avons pris toutes les précautions pour assurer qu'Amelieva et son enfant soient sains et saufs. Ça a également éveillé notre curiosité. Nous pourrons bien être sous le bon accomplissement, quelque chose de grand. Oui, je vous tiens au courant. Mon Dieu, tiens, elle était en train d'un enfant, notre enfant. Elle était le patient zéro et se servait d'elle pour leur expérience depuis le début. Mon petit oisillon, mon petit ange, bientôt tu verras le ciel bleu, les prairies. Tu entendras le bruit de la mer, tu sentiras l'odeur des pins, les rayons de soleil viendront réchauffer ton visage. Tu es un garçon très spécial, tu es un brillant avenir devant toi. Je veux que tu partes loin, très loin d'ici, et que tu trouves le bonheur. N'aie pas peur, je serai toujours près de toi, dans ton cœur, au plus profond de ta mémoire. C'est là que tu pourras me trouver. C'est l'heure. Nous devons nous dépêcher. Je t'aime, mon ange. Ta maman t'aime très fort maintenant. Pars. Tatiana a été restée prisonnière ici. Son enfant, quelqu'un lui a arraché. Oui, c'est regrettable, mes hommes s'en occupent. Regrettable, c'est une putain de désastre. Comment avez-vous pu laisser une telle chose se produire si quelqu'un venait à le découvrir? C'est le langage, camarade. Vous étiez encore en train de suivre votre couche quand j'étais enfant. Le garçon souffre maintenant d'une sévère forme d'autisme. Il n'arrive même pas à parler. Je pense qu'il se trouve au fond d'un fossé là qu'il est. Cependant, il n'aurait jamais dû s'échapper seul. C'est impossible. Quelqu'un a aidé. Vous insinuez que le responsable serait un membre. Il est un peu trop tôt pour tirer des conclusions, mais oui, c'est ce que je pense. Alors, ça doit être un espion, agent de CIA. Vous avez une véritable obsession pour les espions ici, KGB. Je comprends pourquoi votre taux d'arrestation est si élevé. Saddam est sur le point d'envahir le Koweït. Je doute que la CIA s'intéresse à vos recherches. Il y a des problèmes bien plus urgents. Non, ce n'est pas la CIA. Le responsable doit être quelqu'un de chez nous. Je compte bien de trouver le coupable. Ne vous inquiétez pas. Écoutez, général, mes paroles étaient déplacées. Veuillez m'excuser. J'apprécie vraiment votre travail. Vous êtes essentiel à la réussite de cette entreprise. Le projet du gars et nos recherches, tout cela pourrait être bien plus important que les armes nucléaires, que la guerre. Et la guerre spatiale. La guerre froide.
A lot is at stake here. Les enjeux sont immenses. Le futur de cette patrie est lui-même en enjeu. J'ai déjà parlé à d'autres membres du parti et je vais être franc avec vous, camarades. L'Union soviétique s'est fendue et à mon avis, rien ne pourra empêcher sa chute. Je ne suis pas un scientifique, mais j'ai suffisamment d'expérience pour savoir que cette Tchernobylite pourrait être à côté de d'autres choses. Nous devons tous faire le nécessaire pour nous préparer. Alors, Tanya avait un petit garçon, il s'est échappé. Est-ce que c'était mon fils? Bon sang, si c'était le cas, je peux pas. Je résiste. Ressaisis-toi, Igor. Ressaisis-toi. Compose yourself, Igor. André et KGB tentaient d'accélérer les expériences sur le Tchernobylite. Ils espéraient peut-être que leur découverte permettrait de présenter l'Union soviétique et ils ne sont pas parvenus visiblement. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Tchernobylite sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!